Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale où je vais dessiner à l'aveugle. Genre vraiment à l'aveugle. C'est pas comme la vidéo que j'avais fait, je vous mets le petit. Genre je dois dessiner de mémoire. Là cette fois-ci c'est vraiment à l'aveugle. En fait, genre je sais que je vais dessiner ça en fait. Du coup je vais dessiner directement du high level, you know. Du coup je vais dessiner Choupi, je vais juste préparer les feux parce que même colorier sans regarder en fait. Je pense moi je redoute juste le coloriage en vrai parce que le coloriage c'est dur quand même. Genre colorier sans regarder, je vais grave dépasser, faire des bails comme ça, t'as capté, genre là comment ça. Oh, je vous jure, voilà je vois rien, j'ai juré. Je vois rien du tout, j'ai pas envie de tricher parce que sinon c'est nul. Oh mon dieu. Je sais pas. En fait c'est dur. Alors, Choupi il a une tête ronde. C'est trop dur. Il a un nez. Des yeux. Et en fait, ses cheveux, genre en mode c'est comme moi. Genre en fait, c'est pour ça que je suis Choupi. Aïe, oupsée. Ok, quelle idée de dessiner avec un crâne. Ah, du coup, je sais plus où il est. On va dire sa tête. Du coup, là, je vais faire son col. Il s'est ramené du montage. Je vous jure, j'abuse pas. Je suis vraiment un drama boy. Dans l'âme. Je suis vraiment théâtral. Je fais que le haut parce que je sais plus comment il est en bas. Sur ma coque de mon ordi, bah j'ai que le haut. Il a une salopette. Oh mon dieu, la honte, c'est frappe. Est-ce que j'ai fait sa bouche? J'ai pas fait sa bouche. C'est trop dur. Alors. Ah non, je sais plus l'ordre. Ah non, je sais plus l'ordre. J'ai pas envie de tricher parce que sinon c'est nul. Oui, j'ai voulu tricher en mettant les crayons dans un ordre précis pour bien colorier, mais la triche revient au même. Je vais prendre ça. Mais je... Ah mince, en fait. Je sais pas ce que je vais colorier ses cheveux, j'en suis sûr que. Attends, je sais que le. Je crois que c'est le noir. Hein. Je vais colorier ses cheveux. Du coup, ses cheveux ils sont comme ça normalement. Oh, c'est le rouge. Inch'Allah, c'est le rouge. Les colorés sont pieux. Oh, je vous jure, c'est super dur par contre. Là, c'est sa manche. C'est un peu comme ça, genre. Je me dis, ouais, c'est tranquille. Voilà. Mais en fait, non, en fait, je vous jure, c'est super dur. Je vais juste faire sa salopette en bleu. Je crois que lui, c'est le orange, du coup. Et son nez... Attendez, là, je sens des traces. C'est bon. J'espère juste ça. Oh, il lui ressemble, non? Genre, il lui ressemble un peu. Enfin, un peu décalé, mais il lui ressemble. On va dessiner, je pense, un truc plus simple parce que finalement c'est dur. Tout en fait, quand tu lâches, du coup, après tu sais pas où il faut revenir. Une coccinelle. Une coccinelle. Une coccinelle, j'ai le rouge et le noir. C'est bon, je vois pas. Alors, une coccinelle, c'est simple. Un rond. Moi, je l'avais comme ça quand j'étais petit. Je sais plus si elle a des antennes. Elle a pas d'antennes, je crois, non? Elle a 4 pattes et des ronds noirs. Là, c'est bon que j'ai fait ma coccinelle. La tête, elle est rouge aussi, hein. Je sais pas si elle a des antennes en vrai, je te jure. Du coup, maintenant, je vais vraiment refaire le trait au milieu. Et recolorer les... Voilà, c'est fini. Je suis prêt à voir ce que j'ai fait. Eh hey, mais vous savez, à ce moment-là, je pensais que j'avais dead ça. Genre, j'avais dead ça. Je m'affiche. 1, 2, 3. Oh my god. Bon, bah, ma coccinelle... pas trop ça, hein. Genre j'ai pas de tête ça en fait, finalement j'ai pas de tête ça. C'est une banane, c'est simple, mais c'est simple.
Attendez, mince, il faut que je prépare le... La honte, en fait, attendez, me regardez pas comme ça, en fait. Là, je prépare le haut de la banane. Je crois que c'est bon. Je vais colorier. Si je réussis pas, je comprends pas. 1, 2, 3. J'arrête. C'est bon, j'arrête. Mais en vrai de vrai, la banane, elle est pas... C'est juste le coloriage. Mais en vrai de vrai. Hein? En vrai de vrai, la banane, elle est bien faite. Enfin, elle est un peu... un peu maigre. Dessinateur aveugle. Parce que je pense pas que ça existe, hein. Le mec s'appelle John Bromblitz. Bromblitz, yes. Genre, à l'aveugle. Oh, regardez. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'ai grave kiffé, c'était super drôle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez. On se retrouve, bah, la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Il a tenté, il s'est brûlé, il m'a lâché, je suis brisé, je suis tombé. De celui qui m'a trompé, rattrapé par son passé, il m'a abandonné. Non, je ne partage pas, allez-vous de là.